Bonsoir, ladies and gentlemen, pardon. Comment ça va? Je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue au pavillon Vendôme pour l'édition 2023 du gala des directeurs de l'expérience client. Pardon, je suis désolé. Oui? Oui, maman. Non, je travaille. Pour Agora. Le gala de l'expérience client. Elle ne me croit pas. Vous pouvez faire du bruit parce qu'elle ne me croit pas que je travaille. Je t'embrasse, on se voit demain, bien sûr. Vous êtes la crème de l'expérience client et je suis ravi de présenter cette nouvelle édition. Il y en a qui sont derrière les poteaux. J'ai appelé un bûcheron, il arrive, bougez pas. Nouvelle édition, on va passer la soirée ensemble et qui sait, peut-être la nuit aussi, si tout se passe bien. Je souhaite que vous viviez une expérience client merveilleuse et qu'il n'y ait aucune réclamation. Et pour cela, nous avons déroulé le tapis rouge avec un menu 3 étoiles ce soir pour le gala. Vous allez d'ici quelques minutes découvrir les résultats de la formidable étude que nous avons menée auprès de vous, tous les invités, pour savoir si vous aussi, avec vos marques, vous comprenez et adaptez votre stratégie au nouveau comportement de vos consommateurs. Ça sera bien évidemment le thème de la table ronde qui suivra et que j'aurai le plaisir d'animer. Ça me fait rire parce que j'ai été choisi, en fait, ça les faisait rire chez Agora que la table ronde soit animée par Alexandre Carré. Voilà. Ensuite, juste avant de passer à table, vous aurez le droit à une surprise, je ne vous en dis pas plus, puis sera l'heure de remettre les trophées, le trophée coup de cœur, puis celui du meilleur community manager. Et on clôturera avec la présentation des clubs Agora des directeurs de l'expérience client. Et aux alentours de 23h, eh bien, on aura le plaisir de se retrouver ici autour d'un cocktail sur cette petite place qui nous est réservée. Vous allez voir, c'est magnifique. Une margarita pour moi, s'il vous plaît. En attendant, je vous demande d'accueillir le directeur du pôle expérience client, Daniel Arondel. On se vous voit ou on se tutoie? Parce que tous les jours, on se tutoie. Comme tu veux. Tu es très beau. On dirait un call center tout neuf de chez Soch. Magnifique. Ouais, bon, je peux y aller? Tu restes là? Oui, mais ici. Vas-y, je t'en prie. Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour fêter cet événement, fêter l'univers de l'expérience client tous ensemble, un univers que nous partageons tous. Cet univers qui est constamment en évolution, qui n'arrête pas d'ailleurs. Et comme le disent si bien, je dirais, Chloé et François, parfois, c'est énervant, mais c'est tellement passionnant. Alors, bienvenue à tous au pavillon Vendôme pour fêter cette 10e édition de votre gala de l'expérience client. Et sans plus attendre, pour ouvrir ce gala, on en avait rêvé. Michaël Léjard et Sébastien Guénard l'ont fait il y a plus de 10 ans. Je vous demande d'accueillir Michaël Léjard. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Alexandre, merci Daniel. Oui, c'est un immense plaisir de vous avoir là pour la 10e édition du Gala des directeurs d'expérience client. Rappelons que le groupe Agora Manager existe depuis 2005. Je vais vous donner quelques chiffres qui montrent qu'on est en plein boom, en plein développement, grâce à vous, grâce aux équipes d'Agora Manager. Alors, je rappelle, on est situé à Avenue de la Grande Armée, vous le savez tous, avec 3 plateaux télé. C'est une trentaine de salariés aujourd'hui qui constituent le groupe Agora Manager, à la fois pour le réseau et ses 14 communautés, dont l'Agora des directeurs de la relation et de l'expérience client, mais aussi les directeurs Supenchain et DSI, je ne vais pas tous les citer. Ils sont présents aujourd'hui maintenant dans tout l'Hexagone, principalement, il est vrai, pour la plupart, sur l'Île-de-France, le Nord et le Rhône-Alpes, mais beaucoup de réseaux sont maintenant présents à Bordeaux, Marseille, Nantes, Strasbourg, etc. Donc c'est une force, une puissance de feu aujourd'hui qui représente le réseau Agora Manager et ses 14 communautés d'entreprises principalement de plus de 500 salariés. Autre information aussi qui est importante, vous savez qu'on a créé Agora Media, qui est donc un éditeur de presse avec 5 médias digitaux, dont Anews Experience Client, Alexandre étant le patron de la rédaction. Ces 5 médias sont dirigés par des journalistes, patrons de la rédaction. Et aujourd'hui, c'est pas moins de 1200 émissions qu'on produit chaque année avec un peu plus de 200 reportages. Voilà. Donc, c'est 5 JRI, journalistes reporters d'images, qui vont sur le terrain
enquêter, regarder et essayer de faire des reportages vertueux sur ce que vous faites. Alors, on a beaucoup plus de reportages, il est vrai, aujourd'hui, dans le domaine de la supply chain ou de la sécurité. Et je vous invite vraiment à vous rapprocher d'Alexandre pour faire en sorte que nos journalistes puissent aller dans vos entreprises et montrer avec vos partenaires ce que vous faites dans le domaine de l'expérience client, le parcours client. Et en tout cas, ces reportages sont vraiment un objectif d'être vertueux, positif et de montrer justement l'excellence que vous représentez. Voilà au niveau des chiffres, au niveau du groupe Agora Manager. J'en ai fini sur ces chiffres-là. Nous, on est super contents de cette 10e édition. Merci à toutes et à tous. Et je me permettrai de revenir pour deux petites surprises bien tout à l'heure. Hein, bien sûr, avec grand plaisir. Mickaël Léjard, s'il vous plaît, merci. Merci, Mickaël. C'est l'heure de découvrir les résultats de notre étude. C'est juste après ça. Ouais, vas-y pour le jingle. Voilà, qu'on soit dans le rythme. Merci beaucoup. Alors, comme moi, je n'aimais pas les études, on peut baisser un tout petit peu le jingle sur le fond sonore, là. Merci beaucoup. Ouais, donc je n'aimais pas les études et elles me le rendaient bien. Eh bien, pour vous présenter plus en détail notre étude, je vous demande d'accueillir le conseiller éditorial de notre média, de votre média, Anews Expérience Client, Éric Lestanguet, sous vos applaudissements. Merci pour lui. Salut, Éric. Bonsoir à toutes et à tous, et en particulier ceux que je n'ai pas pu saluer. Donc effectivement, cette année, afin de nourrir un peu nos réflexions et puis les débats qu'il va y avoir un peu plus tard dans la soirée, on a souhaité vous poser six questions aux professionnels de la relation client et de l'expérience client, à vous ici, mais au-delà, hein, puisque on a, sur ces six questions, interrogé la fine fleur de l'expérience client autour du thème de cette soirée, donc le consommateur, mais aussi des sujets qui vous passionnent, qui vous animent, qui vous occupent, qui vous préoccupent. Par exemple, l'IA, au hasard, on en a parlé pas mal tout à l'heure au cocktail, ou un marronnier qui fleurit quelques fois dans l'année, les parcours clients, hein, par exemple. Donc, pas mal de questions et beaucoup de réponses. Puisque en quelques jours, même pas deux semaines, on a eu pas moins de 1000 avis en retour qui ont nourri effectivement ces six questions. Alors pour vous délivrer des résultats éclairés sur cette enquête, eh bien on va faire appel à des dirigeants qui sont aussi des experts du domaine. Donc je vais les appeler sous vos applaudissements. Donc je vais commencer par Alix Aït Saïd, le CEO French Speaking Markets de Téléperformance. On peut l'applaudir. Bonsoir Alix. Merci. On va appeler Claudine Cherfant, vice-présidente France de Genesis. On va appeler Stéphane Bleuton, Managing Director French Speaking Market France de Nice. Et enfin, Didier Ferrier, DG d'Eodom. Bonsoir Didier. Alors Eric, effectivement, avant de leur laisser la parole, sur la toute première question qui était posée. Alors, la toute première question, c'était en gros de tester un peu l'envie des clients à devenir consommateurs avec la marque, parce que ce n'est pas quelque chose de complètement inné. Et donc, on vous a posé la question. Alors, on a trouvé en gros environ 7% d'entre vous qui ont décelé une motivation quand même peu profonde, ou très légère en tout cas, pour participer effectivement à ce rôle de consommateur avec la marque. Au-delà de ça, donc on est plutôt entre guillemets sur des détracteurs. Après, on a quelques passifs, un peu plus de 50%, où là, on a des gens qui pourraient être intéressés, effectivement, à devenir, à prendre ce rôle, à endosser ce rôle de consommateur avec les marques. C'est ce qu'on a mis effectivement moyenne envie. Et puis, au-delà de ça, et sans doute quelque chose de passionnant et d'intéressant, on a quand même 45% d'entre vous, d'entre nous, qui sont positionnés clairement pour dire, comme dirait Johnny, qu'ils avaient envie d'avoir envie, okay, et le plaisir aussi de
participer à la vie des marques et notamment à la définition de son écosystème. Et en regardant un peu plus loin, on a des clients qui sont des héros, nos héros, et qui ont aujourd'hui deux super pouvoirs. Et ils veulent être acteurs autour de ces deux super pouvoirs. Le premier, c'est un pouvoir d'achat dans un moment d'hyperinflation. Et ça, c'est important à avoir en tête. C'est-à-dire, on veut être acteur parce qu'on veut regarder ce qui se passe derrière les prix. Hein, regarder les débats qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis, le deuxième super pouvoir, je suis obligé de le regarder parce que sinon, je vais le louper. C'est la vision. C'est le pouvoir de recommandation. Et ce pouvoir de recommandation, allié au pouvoir, effectivement, d'achat, il peut faire, dans tous les sens du terme, des massacres. Et pour beaucoup, ce super pouvoir de recommandation, il y a bientôt le rang de crypto-monnaie de l'expérience client. Donc je pense que c'est des sujets intéressants sur lesquels, effectivement, on pourra débattre ce soir. Très bien, merci Eric. Alors pour la deuxième question qui concerne surtout l'IA générative, alors Alix Saïd, directeur commercial marché francophone de Téléperformance, alors qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, bonsoir à tous. Nous avions effectivement la lourde charge de poser une question qui est sur toutes les lèvres. L'IA générative peut-elle améliorer la satisfaction client ? Donc nous avons posé la question à l'Assemblée. La réponse est sans appel. Près de 92% d'entre nous, pensent que oui, l'IA générative va améliorer la satisfaction client. Alors, comme ça faisait un peu court pour une réponse à une question, et pour être sûr d'avoir la bonne réponse, on a posé la question à ChatGPT. L'IA générative peut-elle améliorer la satisfaction client ? Nous lui avons posé la question une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, avec des formulations différentes pour être sûr d'avoir la bonne réponse. Mais ChatGPT répond des choses assez simples. Quelle que soit la forme de la question posée, ChatGPT est unanime. L'IA, je cite, a une meilleure compréhension des besoins des clients. L'IA générative fournit des réponses rapides et précises. L'IA générative offre un service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'IA générative permet de personnaliser le service rendu. Dans tous les cas également, et quelle que soit la forme de la question, ChatGPT nous indique qu'il faut raison garder. Il convient de noter que l'IA générative ne remplace pas le besoin de service client humain. Elle peut aider à gérer les demandes de routine, permettant ainsi au personnel humain de se concentrer sur les problèmes plus complexes ou plus sensibles. Dans la mesure où tout le monde semblait d'accord, la question n'était plus de savoir si il fallait déployer de l'IA générative, mais comment ? Nous avons donc posé une deuxième question à ChatGPT. Mais quel est le meilleur moyen de déployer l'IA générative dans un service client ? Et quel ne fut pas notre étonnement ? Réponse de ChatGPT. Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Très bien. Conclusion, nous sommes d'accord pour dire que l'IA générative va apporter quelque chose. Nous sommes également tous d'accord pour dire que l'intervention de l'être humain est encore indispensable. Merci Alix. Alors toujours concernant l'intelligence artificielle, mais là plutôt orientée investissement et expérience client, Claudine Cherfant, vice-présidente de France, de Genesis. Alors est-ce que les priorités des répondants sont également vos priorités ? Mais absolument, absolument. Donc on se demandait si le bot allait passer devant l'agent augmenté ou si l'agent augmenté allait passer devant. Donc c'est bien l'assistance à l'agent qui passe d'abord avec les bots et le parcours client. Ouf, on est rassuré. Donc c'est bien dans nos préoccupations. Effectivement, à chaque fois qu'on parle avec des clients, c'est vraiment l'agent assisté. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que agent assisté, ça voulait dire Google il y a pas 12 mois. Et maintenant, agent assisté, ça peut être pas seulement Google. Donc on a des choses déjà dans ce domaine. Ensuite, sur la partie, et on est vraiment sur l'agent augmenté. Et là, c'est juste une évidence. Ça va rejoindre directement qui a la base de co. C'est la base de connaissances, c'est pour qui.
Et donc là, c'est tout un de discussion très en cours. Le chat est quasiment, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Donc il n'y a pas grand-chose là-dessus. C'est qui n'a pas son chat. Et on est plutôt à dire lequel chat entre le développement maison et là, j'entends les clients dire, j'ai besoin de pouvoir passer de chat en chat beaucoup plus rapidement. Donc potentiellement même des cycles à 6 mois. Selon qui passe devant l'autre, donc ça devient extrêmement dynamique. Et puis la partie parcours client, il y a toujours deux façons de s'y adresser. Alors soit on simplifie les choses et du coup on est tranquille, mais ça veut dire qu'on touche au processus, ou alors on ramène quelque chose qui a des longues oreilles et des yeux perçants. Et donc nous on a choisi de faire une acquisition d'une bestiole avec des longues oreilles et des yeux perçants. Ça s'appelle Pointillist, ça écoute les événements, et en sortie ça modélise le parcours. Et du coup, on peut lui poser des questions du genre, ça devait passer en self-service, ça frotte, pourquoi? Et donc ça, on est complètement dans toutes ces préoccupations. Très bien, merci Claudine. Alors cette fois, c'est effectivement plus sur les moments clés du parcours client. Donc Stéphane Bleton, directeur général France de NICE. Alors Stéphane, êtes-vous étonné des choix des répondants? Merci de la question. Bonsoir à tous. Alors sans étonnement, je reprends mes notes hein, parce que j'arrive pas à lire l'écran, excusez-moi. Vous êtes sans surprise 74% à dire que vous concentrez sur la gestion des motifs de l'insatisfaction. Est-ce que ça étonne tout le monde? A priori, vous avez répondu, pas du tout. Ce que l'on voit surtout, nous on accompagne énormément de sociétés sur le sujet grâce à l'IA depuis de nombreuses années. Et je vois certains de nos clients dans la salle et je les en remercie. Mais surtout, on s'est focalisé sur les motifs de satisfaction, où le ROI est beaucoup plus rapide et beaucoup plus important que de se focaliser que sur l'insatisfaction. Je crois que c'est très latin, très français. Le deuxième point, Claudine l'a un peu dit, c'est sur les bots. Alors moi, j'ai un peu une vision un peu différente, on va dire. Je pense que l'effet de mode des bots est passé, surtout sans NLU, NLP ou sans IA. Les premiers bots qui sont sortis ont rendu leur service. On a réduit les coûts, on a réduit les volumes d'appels. Maintenant, est-ce que la CSAT a été augmentée? Clairement, non. Maintenant, demain, avec ChatGPT, l'IA générative, c'est autre chose. Et effectivement, moi je retiens surtout un point beaucoup plus important pour moi, c'est le deuxième point, c'est la première fois. On se souvient tous de notre première fois, notamment on s'est très focalisé, notamment sur la voix, sur la première fois, comment rendre une première expérience inoubliable. Et ce que l'on voit du monde anglo-saxon et ce qui arrive, c'est comment rendre cette première fois inoubliable sur le parcours digital. Et nous, au sein de NICE, on a investi énormément depuis 3 ans, quelques centaines de millions d'euros, notamment sur le sujet, pour rendre le parcours digital 100% fluide, avec une expérience inoubliable, depuis le moteur de recherche, sur votre application mobile, sur votre site internet, sur les FAQ, etc. Dopé par l'IA, mais surtout totalement intégré grâce à notre partenariat avec Microsoft, avec ChatGPT. Et là, je rejoins Alix, on ne va jamais laisser ChatGPT répondre tout seul. Notre IA va puiser dans votre data lake, dans votre CRM. C'est vous qui avez la réponse, notre IA va la puiser par rapport au contexte client, et ChatGPT ne sera là juste pour écrire. Donc demain, je vais juste lancer une petite réflexion. Oui, je pense que dans quelques trimestres, peut-être que les conseillers qui ne font que du chat et de l'email auront disparu et que les conseillers ne se focaliseront uniquement sur l'interaction humaine. Très bien, merci Stéphane. Alors pour la cinquième question, qui était une question qui interrogeait sur le lien effectivement entre téléconseiller de proximité et le consommateur, Didier Ferrier, directeur général des Odom. Alors Didier, est-ce que ce résultat est une surprise pour vous? Bonsoir à tous. Donc moi, je ne suis pas du tout expert de l'IA. Vous vous demandez ce que je fais là. Je suis juste partenaire de l'événement. Pour que tout le monde connaisse Eodom et Eodom, on s'occupe que de l'humain. On ne fait pas d'IA et on fait de l'externalisation de services clients avec des vrais humains, des indépendants qui travaillent de chez eux et on essaye de créer une empathie. Donc cette question, je voudrais d'abord, pour les réponses, vous remercier de votre honnêteté. Parce que le coût, c'est le nerf de la guerre. Et au moins, là, on le voit clairement, la première préoccupation, c'est le prix. Donc ça ne fait pas très politiquement correct, c'est sûr qu'on a tous envie de parler d'IA, de parler d'avenir, mais il y a une réalité terrain qu'on vit tous les jours, c'est le prix. Donc l'un n'oppose pas l'autre, mais c'est tout à fait révélateur que la première question qui a été choisie, le plus gros taux que vous avez devant les yeux, c'est d'abord une optimisation du coût que nos solutions de travail à domicile choisies va permettre de faire, puisqu'on peut se positionner là-dessus. Le deuxième qui m'intéresse, la deuxième partie de réponse, c'est l'aspect sur la ressemblance et sur le consommateur. L'ADN d'Eodom, c'est ça, c'est d'avoir des indépendants qu'on a customisés par rapport à notre client final pour créer une empathie. Demain, l'IA va décharger ces humains-là des tâches répétitives, automatisables,
à faible valeur ajoutée, et on va continuer à avoir des humains qui vraiment créent une expérience, créent une émotion que seul l'humain peut faire. Et vous voyez bien que dans les réponses, tout le monde nous parle d'une dynamique de proximité, du Made in France, d'une attitude de l'humain révolutionnée. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle, ces questions. Je pense que l'IA, c'est une très bonne nouvelle qui va permettre aux humains de progresser et qui va permettre à l'expérience client de progresser. Merci beaucoup, Didier. Merci en tout cas à tous nos experts. Alors, sur la toute dernière question, hein, qui était plutôt pour nos invités, en fait, hein, parce que dans la salle, qui ont tous voté. Ah oui, oui. Là-dessus. Alors, Eric. Plus que voter, qu'une fois, hein, a priori, oui. On a tout vérifié. Alors, quelle est la marque qui fait référence? Bah, d'abord, il y a beaucoup de marques, hein, c'est-à-dire que vous nous avez fait remonter, vous le voyez là, alors vous n'avez pas avoir le temps de les compter, mais il y en a 50. Il y a 50 marques qui sont remontées, qui sont citées. Il y en a qui sont plus citées que d'autres, donc on va s'intéresser à celle-là sur un podium qui va apparaître dans les secondes qui suivent sur la droite. Le voici, le voilà. Donc, Decathlon, Maïf, C'est qui le patron, hein, et ces trois marques, ces trois enseignes-là ont récolté beaucoup plus de voix que les autres. Et Decathlon se détache quand même en pole position. Alors, c'est pas nouveau, hein, Decathlon, on la connaît. Souvent présent sur les podiums, hein, notamment comme enseigne préférée des Français. Quand c'est une mauvaise année, ils sont seconds, hein, mais généralement, ils sont premiers. J'ai vu qu'il y avait un nouveau classement des entreprises les plus empathiques. Au hasard, Decathlon est la première. Donc certainement, une chose intéressante dans les débats à venir, peut-être que la proximité, Didier en parlait un peu, et l'empathie font pour beaucoup, pour accélérer en tout cas le rôle de consommateur de l'ensemble de nos clients. Voilà ce que j'avais à dire. Très bien. Bah, merci Eric. En tout cas, merci à nos quatre experts. Merci à vous. Merci Téléperformance, merci Genesis, merci Odom et merci Nice en tout cas pour vos éclairages. Merci aux Stars. Expert. Merci aux Starsky Hutch, Daniels Experience Client, Eric Lestangue et Daniel Arandel pour cette étude. Merci de les applaudir. Ils ont bien bossé. Il est temps de passer à table, mais à table ronde, expérience client, comprendre et adapter sa stratégie au nouveau comportement des consommateurs. C'est maintenant. Je vous demande d'accueillir les chevalières et chevaliers de notre table ronde. La directrice générale de la Banque de Détail, membre du directoire de la Banque Postale, Marion Rousseau. La directrice du programme Simplicité Client de SNCF Voyageurs, Agnès Chiroux. Le directeur général de la Massif, Jean-Philippe Dogneton. Et le directeur général de l'Institut du Commerce, Xavier Hua. Merci, tout va bien? Vous êtes bien installé? Comme dans un TGV? Parfait, on va parler concret, partage d'expérience, exemple bien évidemment de transformation. Mais avec vous, Xavier, on va peut-être faire l'ouverture pour nous faire une sorte de panorama du comportement des consommateurs, des types de consommateurs et comment la consommation évolue dans l'ordre ou dans le désordre. C'est comme au tiercé. Ou dans le désordre, oui. Merci beaucoup Alexandre. Bonsoir à toutes et à tous. Juste deux mots sur l'Institut du Commerce, parce que je ne suis pas sûr que vous connaissiez, mais je ne vais pas être très très long. C'est une association qui regroupe les industriels et les fabricants, et les distributeurs de produits de grande consommation, principalement alimentaires et hygiène beauté, mais aussi un peu de non-alimentaire, bricolage, parfumerie sélective ou jouets. Et j'ai la chance en fait de diriger cette association et de faire travailler ensemble les fabricants et les distributeurs pour mieux répondre aux attentes des consommateurs ou des consommateurs. Et c'est une tâche que je fais depuis un petit moment et qui est très intéressante parce que finalement, ces deux populations
industriels et distributeurs ont plutôt tendance à s'écharper pendant quelques mois de l'année pour les négociations commerciales. Mais il y a quand même des fenêtres très intéressantes sur lesquelles on arrive à les faire travailler ensemble. Et toutes les questions là, sur l'étude avant étaient extrêmement intéressantes là-dessus, parce qu'ensemble, on peut arriver à faire des choses qui sont très, très porteuses de sens et porteuses d'efficacité. Alors le panorama, je ne vais pas faire un panorama non plus, je ne vais pas vous faire une leçon là-dessus. La situation économique, vous la connaissez aussi bien que moi, voire même mieux. J'ai quelques chiffres à partager en fait, qui viennent de l'INSEE sur deux points dont on parle beaucoup, dont on a parlé déjà juste avant, sur le pouvoir d'achat et sur l'inflation. L'INSEE prévoit en fait un ralentissement de... Alors, je ne sais plus comment on dit, c'est une baisse de la hausse, je ne sais plus trop... mais prévoit en fait pour la fin de l'année d'avoir une inflation en fait qui va se situer aux alentours de 4,4% de hausse sur toute l'année. Donc il y a effectivement un tassement de l'inflation. Je ne sais pas si c'est une prédiction ou un souhait ou etc. Mais c'est très probable. En fait, il y a déjà certains signes en fait là-dessus. Et le deuxième point sur le pouvoir d'achat, c'est que la prévision de l'INSEE est également que le pouvoir d'achat sera stable en 2023. Là où en 2022 il y a eu une baisse de pouvoir d'achat, mais en 2023 ça va revenir en fait à des niveaux plus raisonnables, on va dire. Alors ça c'est l'image un petit peu globale. Au-delà de ça, sur un autre chiffre qui est d'ailleurs le même, c'est assez rigolo, mais sur la consommation alimentaire, il y a une baisse de la consommation alimentaire depuis le mois de janvier, donc entre janvier et avril, et ça c'est des chiffres de Kantar, la consommation alimentaire baisse en volume, là aussi de 4,4%. Ça c'est un signe qui est peut-être moins sympathique pour les acteurs en tout cas de ce secteur là, mais c'est une réalité. Et cette baisse de consommation en fait, les consommateurs font de plus en plus d'arbitrage en disant je vais acheter moins, je vais acheter mieux pour certains, mais la plupart en fait, les deux tiers en fait, disent je vais acheter moins. Donc il y a vraiment une baisse en volume qui a un impact assez fort sur les entreprises, forcément de ce secteur là en tout cas. Et qui fait que les consommateurs en fait ont des choix en fait qui sont fondamentalement différents et qui se polarisent de plus en plus entre les générations. Donc vous savez peut-être ou pas, mais que les générations, si je regarde un petit peu la salle, ça ne nous concerne pas trop, c'est peut-être plutôt nos enfants, mais en tout cas c'est les miens. Les millennials et la génération Z en fait sont deux générations qui seront moins riches que leurs parents, et ça c'est la première fois que ça arrive, en tout cas depuis à l'échelle humaine pour nous. Toutes les générations qui nous ont précédés, les générations suivantes avaient une richesse plus importante. Là aujourd'hui c'est en baisse, donc ça c'est des signes. J'avais prévenu que j'allais plomber un petit peu. Que des bonnes nouvelles, hein. Merci d'être venu quand même, on est ravis. Non mais j'avais prévenu en tout cas Alexandre, mais pas tout le monde. Mais on n'aura que des bonnes nouvelles après, ne vous inquiétez pas. Cette fragmentation en fait, et cette polarisation, elle s'applique à pas mal de sujets, et j'en retiendrai en fait, peut-être deux. Un premier sur la consommation responsable, d'essayer d'avoir une vision, en tout cas pour la planète, qui soit un peu meilleure que nos aînés, pour le coup. Et cette consommation responsable, en fait, elle embarque de plus en plus. Elle embarque de plus en plus. Avec toujours cette dichotomie entre la fin du monde et la fin du mois. Donc il y a des comportements de consommation qui se tournent vers des produits plus responsables. Mais souvent, ce qui est étonnant et pas étonnant, c'est souvent en fait le driver premier est le prix. Donc si les metteurs en marché arrivent à avoir des produits ou des services d'ailleurs en fait, qui sont proposés à un prix plus attractif, ça va attirer, il va y avoir une sorte de bascule en fait qui va se faire progressivement mais sûrement vers une consommation plus responsable. On citait Decathlon tout à l'heure, donc donc je sors un peu de l'alimentaire, mais sur les usages, c'est effectivement un sujet extrêmement intéressant, extrêmement porteur. Le marché de la seconde main est en train d'exploser, est en train d'émerger vraiment très très fort. Et Decathlon est un des précurseurs sur ce sujet-là. Les tendances qui augmentent également, c'est la proximité. Donc une proximité à la fois de services, une proximité géographique pour les commerces, mais aussi une proximité affective. Donc la relation à la marque en fait devient de plus en plus importante.
Les produits locaux se développent également beaucoup. Et tout ça contribue en fait à ce panorama rapide, mais très forcément incomplet, de la consommation en France et des grandes tendances en tout cas. Merci beaucoup Xavier. Jean-Philippe, en préparant cette table ronde, vous nous avez dit que plus un groupe était gros, plus il fallait que ça soit simple pour ses consommateurs. Oui, ouais. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Ça paraît contre-intuitif, mais au fond, c'est ce qui m'anime chaque jour et chaque matin. Comment garde-t-on une entreprise, on garde à son entreprise sa valeur et sa capacité de transformation quand on passe de 2 clients et un contrat ou 2 contrats à 18,5 millions de contrats et 7 millions de sociétaires. Et en fait, comment on garde ce qui a fait le souffle et l'âme sans se perdre dans la complexité? Moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité, et j'insiste beaucoup auprès des équipes pour dire, plus on est gros, plus on doit être simple. On n'oublie jamais celui qui nous a fait roi. Et celui qui nous a fait roi, c'est le sociétaire, le client. Donc il est évidemment posé là, et qui est essentiel à notre modèle. Il faut ensuite une gouvernance qui tienne la route sur la durée et une capacité de produire une trajectoire. Il n'y a pas meilleure gouvernance que celle qui est directement guidée par nos sociétaires. Le conseil d'administration des massifs, ce sont ses clients. Donc tous les jours, ils vous rappellent à l'ordre sur ce que vous devez faire. Donc ça, c'est la constance. Ensuite, il se trouve que notre modèle ne crée pas d'actionnaires. Donc la valeur, elle est redistribuée, ce qui fait que Massif s'est inscrit dans le temps comme une marque populaire, une marque accessible, compétitive, etc. Donc il ne faut jamais oublier ça. Et après, il faut se transformer et se diversifier parce que les temps ont évolué. Mais la complexité n'est jamais une fatalité, mais c'est une surveillance de chaque jour, de chaque heure. Et le dirigeant doit à ce point être exemplaire. Au fond, Massif, qui compte 11 000 sociétaires, est administré encore comme une PME. Agnès, Marion, justement, sur la simplicité au sein des grands groupes, qu'est-ce que vous en pensez? Pour SNCF Voyageurs, bonsoir à tous déjà. On a un engagement de faire de la mobilité durable et pour ça, de multiplier par deux la part de marché du ferroviaire. Et on s'appuie du coup sur notre raison d'être, qui est donner le pouvoir à tous de voyager, voyager mieux, voyager plus. Et ça, on n'y arrivera pas si on ne facilite pas l'accès au train. Et donc du coup, on a mis en place un programme qui s'appelle Simplicité Client Voyageur, qui étudie à toutes les étapes du parcours client, de la recherche d'informations jusqu'à l'éventuelle réclamation, tous les frottements, toute la complexité qu'on peut générer. Et on a comme objectif de mettre en place très rapidement, donc à court terme, une trentaine de grosses actions pour améliorer l'accès au train et la simplicité de voyager. Marion, alors, La Poste. Nous, on s'est fixé Banque Postale, actionnaire La Poste, grand groupe. Justement, juste si vous pouvez nous faire une petite précision, la part de la Banque Postale au sein de la groupe La Poste, du groupe La Poste, pardon. Alors, la Banque Postale est détenue à 100% par La Poste, elle-même détenue par la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, et la Banque Postale détient à 100% CNP Assurance. D'accord. Donc c'est un vrai modèle de banque assurance dans toutes ses composantes. La Banque Postale, c'est 20 millions de clients en France sur l'ensemble des segments de clients, puisque nous avons, nous sommes parmi les banques qui a le plus fort volume de clients patrimoniaux, mais également nous sommes la banque qui a une mission d'accessibilité bancaire donnée par l'État et qui permet d'accompagner nos clients les plus fragiles. Donc on a une... Ceux qui viennent percevoir le RSA, par exemple. Exactement, les migrants, les SDF, voilà. On a vraiment l'ensemble de la population française en tant que client, ce qui nécessite évidemment beaucoup de personnalisation dans l'adressage de nos clients, sachant que le monde bancaire, et pour ça je suis très proche de Jean-Philippe dans la composante. Alors il y a un premier élément, c'est que Jean-Philippe se plaignait, il disait l'assurance c'est quand même compliqué parce qu'on est mal vu des clients. Je lui ai dit il y a pire, il y a la banque. Le bank bashing est quand même un sport national. Au-delà de ça, nous sommes soumis à des contraintes réglementaires extrêmement fortes qui impactent de manière très forte les process clients. Et ce n'est pas une excuse, c'est juste un fait. Nous traitons l'argent de nos clients, donc les clients ont un rapport à leur banque, mais je pense aussi à leur assurance, qui est très particulier parce que c'est vraiment dans leur trip, parce qu'on est avec leur argent, donc il y a une relation de confiance qui doit être très forte. Et en même temps, enfin, on ne va pas dans sa banque comme on va à Decathlon, quoi.
on va rarement dans sa banque. 90 à 95% de ses opérations bancaires, c'est le fait de payer tous les jours avec sa carte bancaire, c'est de faire un virement ou c'est de regarder son solde de compte. Donc en fait, de payer chez Decathlon parfois. Et c'est de payer chez Decathlon, exactement. Et quand on veut payer chez Decathlon, parce qu'on a trouvé sa super paire de skis, c'est quand même vachement plus sexy qu'un livret A, en fait, et qu'on approche sa carte bancaire et que ça ne marche pas, qu'on nous dit carte refusée, ou que le sans contact ne fonctionne pas, on se dit c'est encore ma banque qui merde. Voilà. Et ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans la relation du client avec sa banque, parce que spontanément, nos clients viennent, quand nos clients nous appellent ou quand nos clients viennent nous voir, c'est soit qu'ils sont face à une incompréhension dans leur fonctionnement de compte, soit qu'ils font face à une difficulté dans la vie de tous les jours, soit qu'ils ont un moment de vie qui peut être très positif, mariage, naissance, arrivée à l'âge adulte du petit dernier avec le prêt étudiant, etc., soit des moments de vie plus difficiles, le divorce, les successions. Et donc, nous ne captons nos clients de manière, entre guillemets, active pour eux, comme qu'à des moments de vie où il ne faut vraiment pas se rater. Voilà. Et donc, c'est une relation très particulière. Je vais parler de votre stratégie. Vous avez un plan stratégique 2030, comme il est appelé, pour la Banque Postale, dont le premier axe est positionner la Banque Postale parmi les leaders de l'expérience client. On imagine que chez vous tous, c'est une volonté, quand même un objectif, non ? Je vous en prie. Oui, côté SNCF, on veut aussi être le leader et la référence à la fois de la mobilité, mais de la mobilité durable et de l'expérience client. Donc pour ça, il est indispensable de comprendre toutes les mobilités. On a autant de mobilités que de Français. La mobilité en France, certains sont très attentifs aux horaires, d'autres au petit prix. Il y a une grande sensibilité aussi aux services et donc il faut qu'on soit là dans une expérience très personnalisée, mais qui est vraiment très diversifiée. Alors c'est vrai que par rapport aux assurances ou à la banque, c'est souvent un achat plaisir. À la SNCF, on voyage pour le plaisir, c'est une très belle marque historique. On est tous consommateurs de la SNCF, pas toujours consommateurs à l'heure, on en parlera tout à l'heure, le retard. Je suis un peu bout en train, désolé. Mais on est tous quasi obligés de prendre le train et souvent pour le plaisir. Comme ça s'est passé. Alors comment s'est passé justement ? Parce qu'il y a cette ouverture récente à la concurrence avec Trenitalia et d'autres. Est-ce que vous devez justement viser l'excellence encore plus qu'avant ? Comment vous fidélisez dans ce cas-là ? En fait, déjà, on a travaillé depuis plusieurs années, on s'est préparé à la concurrence. On avait déjà la concurrence de l'avion ou de la route. Et l'arrivée de Trenitalia sur Paris-Lyon, on s'est dit qu'il fallait qu'on écoute et qu'on regarde toutes les attentes de tous les clients et qu'on se positionne partout. Donc là, sur Paris-Lyon, clairement, on a regardé les clients qui ne venaient pas au train. Qu'est-ce qu'on pouvait leur proposer ? Donc on a proposé des Ouigo Ligne Classique. Ils sont très sensibles au prix. Pour ceux qui sont sensibles au prix, mais aussi à la durée de trajet, on a renforcé l'offre Ouigo. Et pour les autres qui sont plus attentifs au service, eh bien, on a mis en place des rames rénovées, plus confortables. Et puis, on a surtout lancé la Business Première Pro pour des clients qui sont très, très sensibles au service. La concurrence, honnêtement, qu'est-ce qu'attendent les clients ? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des prix plus bas, plus d'horaires et moins de grèves. Donc, certains clients sont allés chez Trenitalia, d'autres et beaucoup sont restés. Et honnêtement, la concurrence a fait grandir le marché. On n'a jamais autant vendu de billets Paris-Lyon qu'en ce moment. On a recruté des nouveaux clients et donc la concurrence a eu au moins cet effet. C'était notre positionnement global. Jean-Philippe, viser le top de l'expérience client à la Massif, ça se fait comment ? Alors, viser le top, déjà, c'est l'afficher. Hein. On s'affiche comme leader quand on est le premier assureur automobile, le deuxième en habitation. Donc, il faut s'assumer. Et ça, ça crée un niveau d'exigence intéressant. Ensuite, ce qui a été dit tout à l'heure, il existe un affectio dans l'assurance, contrairement à ce qu'on pense. En réalité, la relation du client avec son assureur est très, très forte, pour peu que ça soit entretenu, pour peu que, effectivement, vous soyez efficace, simple, lisible, etc., et accessible. Nous sommes une marque très accessible en termes de prix et on mesure notre efficacité. Nous sommes devenus la marque préférée des Français dans le secteur de l'assurance et nous avons intégré le top 10 des grandes marques parmi Peugeot, Michelin et d'autres, donc des marques tout à fait emblématiques. Et à l'issue de la crise Covid, on a interrogé nos sociétaires pour dire tout simplement comment allez-vous ? Il n'y avait pas d'enjeu autre que de savoir comment ils allaient. Et un peu à l'image de votre expérience, 550 000 sociétaires nous ont répondu en un mois et demi.
pour nous dire ça va moins bien, là j'ai un problème ici, est-ce que vous pouvez nous soutenir, etc. Je crois que quand on ose faire ça, c'est qu'on a développé un affectio et une relation de confiance avec son sautaire qui va bien au-delà de la vision classique. Alors nous, on a l'habitude de dire raison d'être, raison de faire, raison de dire. Alors raison d'être, c'est permettre le présent et permettre surtout le futur. Ça, c'est notre métier. Raison de dire, ce sont des sociétaires qui le disent dans nos campagnes publicitaires. Alors quand vous regardez les campagnes, en fait, c'est du bouche à oreille moderne. Et c'est du bouche à oreille qui génère du flux. Et c'est pas du tout. Ce sont les sociétaires qui directement en parlent sans script. Et raison de faire, c'est l'exigence par la preuve et l'efficacité. Et si vous trouvez cette combinaison-là, plus une réelle, sincère culture d'entreprise, ça c'est la symétrie des attentions et un attachement très fort à l'entreprise, vous tombez dans le cercle vertueux. Mais ça suppose effectivement chaque jour d'être au rendez-vous. Dans un plan stratégique, c'est vital. Entraîner ses troupes, entraîner les sociétaires, créer l'affectio. Et au fond, on est au croisement des besoins et des services. C'est formidable, quoi. Et à la Banque Postale, Marion ? Alors, la Banque Postale, effectivement, banque préférée des Français d'ici 2030. En fait, il y a plusieurs actions. D'abord, on travaille sur les premiers irritants de nos clients, l'accessibilité. Pouvoir contacter sa banque, à la fois en digital, à la fois au téléphone, à la fois, bien évidemment, dans le réseau de nos bureaux de poste. La résolution au premier contact, c'est très important que l'interlocuteur qu'a le client puisse traiter et répondre. Ça nécessite beaucoup d'autonomie, beaucoup de délégation, mais être baladé de service en service, sachant que les sujets peuvent être complexes, il faut pourtant qu'on arrive à avoir au moins 80% des réponses qui puissent être faites par l'interlocuteur qui répond au client. C'est le cas actuellement ? On n'est pas encore à 80%, c'est notre objectif. Aujourd'hui, on a déjà gagné plus de 10 points, on est à 60% en résolution premier contact, parce qu'on peut avoir des situations complexes, hein, de fraude, de voilà. Mais on y arrive aussi par un filtrage des appels selon les besoins du client, c'est-à-dire que lorsque le client appelle, par du langage naturel, on arrive à l'orienter sur la bonne personne qui, du coup, quand elle va prendre l'appel, est déjà spécialisé dans le domaine. Et ça, c'est des flux qui sont extrêmement intéressants. De la même façon, l'accessibilité, on a des milliers d'appels tous les jours. Pour améliorer nos taux d'accessibilité, on a mis en place un callbot. Le callbot, il a l'intérêt, on avait reçu d'ailleurs un premier prix l'année dernière au CX Awards sur le sujet, il a l'intérêt de traiter toutes les questions simples sans valeur ajoutée, quel est le solde de mon compte bancaire, etc. Et ça nous a permis de gagner 10 points d'accessibilité, de dépasser les 85% de décrochés téléphoniques. C'est des petites choses, mais ça joue énormément sur le NPS. Et puis le dernier élément, et tu l'as cité Jean-Philippe, et je pense que c'est fondamental, c'est qu'il faut que ce soit porté au plus haut niveau. Nous, les irritants clients, ils sont traités en directoire toutes les semaines. Ça peut sembler anecdotique, certains nous disent vous êtes trop opérationnel, ben non, parce que les trois irritants du mois, on les suit jusqu'à ce qu'ils soient dénoués, toutes les semaines on fait le point, ça mobilise les équipes, ça rend les équipes fières quand ils ont réussi à dénouer, parce que dans certains cas ça peut prendre un peu de temps, ça nécessite du budget, des invests, etc. Et ça fait remonter les besoins. Et ça fait remonter les besoins, exactement. Et l'autre effet, c'est qu'on demande à l'ensemble du directoire du COMEX et le cercle en dessous encore de nos managers, d'aller au moins une fois par trimestre sur le terrain, passer une journée dans un bureau de poste ou sur un centre d'appel. Ça peut sembler là aussi assez dérisoire, mais en fait c'est super important. À chaque fois ils reviennent avec une liste pas possible de « il faudrait changer » et on leur dit « bah ouais, mais c'est votre job de faire changer ça, vu votre positionnement dans l'entreprise, vous avez la liste, maintenant vous y allez les gars, vous foncez. » Tu m'autorises un rebond parce que ça c'est un point extrêmement important. Très longtemps. Changer les horaires déjà des bureaux de poste ou pas, parce que c'est... Alors on est en train, on a pris l'engagement d'ouvrir déjà 1000 bureaux de poste supplémentaires le samedi matin. Voilà, c'est au prix de dialogue social qui ne sont pas toujours évidents, ouais. Mais effectivement l'ouverture du... Et, alors on a deux choses sur les bureaux de poste. On a ce qu'on appelle les fermetures inopinées, vous arrivez à votre bureau de poste, il est fermé. Donc ça, c'est un énorme travail. On a réduit par deux les fermetures inopinées, notamment dans le monde rural, parce que c'est souvent des bureaux à gens seuls. Donc quand il n'est pas là, c'est fermé. Et le deuxième élément, effectivement, c'est l'ouverture du samedi matin, qui est un vrai sujet de mécontentement. Jean-Philippe, vas-y. Oui, non, je voulais juste un rebond. Vous savez, fut un temps où on a appris qu'aux stratèges, la stratégie, aux autres, l'exécution.
Et ce que tu as dit à l'instant est parfaitement vrai. Tout le CODIR doit aller en double écoute, doit être sur le terrain. Et c'est l'ascenseur qui est intéressant. Et il faut décloisonner cette vision totalement datée de l'entreprise. Les amis, on va essayer de synthétiser un peu parce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire. Seulement 25 minutes. Après, moi, j'ai piscine. Xavier, juste pour analyser ce viser le top, quel justement regard vous avez là-dessus ? Alors en fait, moi, je vais rebondir sur pas mal de choses qui se sont dites là sur les grandes surfaces alimentaires. Il y a plusieurs choses qui me sont venues en tête. Il y en a, la première, c'est que si vous faites vos courses, j'imagine, toutes et tous, en ligne ou en physique d'ailleurs, en proximité ou en hypermarché, ou, etc. Mais les chaînes qui aujourd'hui, et je ne citerai pas de nom parce que moi je représente tout le monde, je suis neutre, donc je ne citerai pas de nom, mais vous allez comprendre assez vite. Les enseignes qui sont les plus performantes aujourd'hui sont celles qui ont bien choisi leur combat, tout simplement. Donc ils ont un message très clair. Ils le communiquent très fortement et l'action suit, c'est-à-dire que c'est pas juste une intention, c'est vraiment une stratégie pour le coup qui est affirmée et suivie vraiment de bout en bout. Et ces mêmes enseignes qui sont les plus performantes ont ce côté-là de on descend sur le terrain. Et sans citer de nom encore, mais les chaînes indépendantes sont bien plus performantes que les chaînes qu'on dit centralisées ou autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont au contact des clients tous les jours et les besoins remontent. Les irritants, ce n'est pas les mêmes irritants que pour la banque ou l'assurance ou la SNCF, mais il y a des irritants aussi, vous ne trouvez pas le produit, il y en a plein. Et ça, c'est vraiment les deux clés, c'est choisir la cible vraiment et s'y tenir, choisir les messages et les marteler et les mettre en place vraiment de manière extrêmement, extrêmement concrète et extrêmement forte. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur l'alimentaire qui finalement se rapproche assez bien des On va passer de, merci beaucoup Xavier, l'expérience collaborateur qui est souvent au cœur d'un projet stratégique. La Banque Postale associe ses collaborateurs à la réussite de votre projet de développement. Elle les accompagnera avec plus de 300 000 journées de formation par an, Marion. Oui, alors effectivement, on forme énormément. Alors, on forme énormément parce que déjà, on a des produits qui sont assez techniques, hein, bien évidemment. On forme énormément à la culture client. On fait passer les certifications Yellow Belt, Green Belt, etc. pour essayer d'engager les améliorations continues au cœur des dispositifs. Et puis, au-delà de la formation, moi, je dis souvent, c'est de l'acculturation plus que de la formation en soi. Donc c'est une posture du quotidien. Voilà, on a mis en place sur nos centres téléphoniques les prix de la relation client. Donc on se fait des écoutes téléphoniques, on se les écoute ensuite tous en COMEX, on sélectionne sur le trimestre nos collaborateurs où on trouve qu'il y a eu le plus d'empathie. Voilà, pour certains parfois ils passent 15 minutes au téléphone parce que la personne est vraiment en situation de difficulté financière. Et ça c'est de la formation, mais c'est pas que de la formation. Tu vois, il y a aussi toute une partie acculturation, vision du quotidien, la vision client. Et nos collaborateurs, c'est aussi nos premiers clients. Donc en fait, ce qu'ils font pour leurs clients, ils le font également pour eux. Et on essaie vraiment d'embarquer cette dynamique à tous les niveaux. Après, on est un grand réseau, voilà, 7500 bureaux de poste, donc 7500 agences bancaires. C'est pas toujours évident de garder la même qualité d'accueil, la même qualité de service. Les besoins en zone rurale ne sont pas du tout les mêmes qu'en zone urbaine. Et donc, il nous faut énormément adapter nos dispositifs aux collaborateurs pour arriver à embarquer tout le monde dans cette dynamique. On est passé entreprise à mission, ça aide énormément au-delà de notre raison d'être. Le fait d'être entreprise à mission a été une vraie fierté pour nos collaborateurs. Le groupe La Poste est également entreprise à mission. On est la banque citoyenne, c'est un facteur de fierté pour les collaborateurs et d'engagement énorme. Et donc, il n'y a pas que la formation qui contribue à ça. Jean-Philippe à La Massif, le collaborateur centrique. Ouais, le territoire de marque de La Massif, c'est Massif, c'est vous. Et quand on dit Massif, c'est vous, on s'adresse à la fois aux clients sociétaires et aux salariés. C'est ça aussi, la symétrie des attentions. Donc l'investissement sur la formation, évidemment dans les périodes de transformation, c'est très très important. L'acculturation, culture d'entreprise, l'organisation du travail, faire qu'effectivement il y ait une vie sur site, c'est aussi l'informel, c'est la vie sociale, c'est la capacité à comprendre son voisin de bureau, mais aussi le sociétaire et le retour d'expérience. Et ça passe par une dynamique générale d'entreprise et un discours que tiennent les dirigeants. Formation, il y a un de mes collègues qui est en salle qui rédige les essentiels. Les essentiels, c'est absolument fondamental pour développer cette culture-là. Et puis, miser sur la formation, c'est un niveau très élevé dans l'entreprise Massif. Mais le Massif, c'est vous.
On l'assume et par conséquent, il faut aller jusqu'au bout auprès de nos salariés. Xavier, justement, cette analyse sur la place du collaborateur qui est dorénavant vraiment décisive, et un collaborateur heureux et concerné et investi, c'est un client satisfait, c'est une évidence maintenant. C'est une évidence, mais ce n'est pas si évident que ça. Donc, vous allez, encore une fois, vous allez dans un hypermarché, il y a eu ça change un petit peu, mais il y a eu vraiment une dégradation du service assez forte. Les employés libre-service, enfin les employés dans le magasin qui étaient chargés de remplir les rayons, qui étaient chargés de s'adresser aux clients, de répondre à leurs attentes, à leurs besoins, je trouve pas mon paquet de farine, je sais pas quoi, oui. Ont pas disparu, mais ont été on a du mal à les trouver, hein. On a du mal à les trouver. Concède, hein. On a du mal à trouver, et ce qui oui. fait que le client en fait a une assez mauvaise image finalement. Quand on fait ses courses, on a envie de les faire plutôt vite. On a une liste de courses dans la plupart des cas, et si on ne trouve pas ces produits, on n'est pas très content. Et quand ça se répète deux fois, trois fois, bah on change de crémerie, quoi, pour parler très très simplement. Et ces irritants-là, en fait, les collaborateurs dans les grands magasins, enfin dans les grandes surfaces, ont été un peu délaissés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été bien pris en compte. Alors ça change parce que les distributeurs, heureusement, s'en sont rendus compte et pour certains, on fait des efforts là-dessus. Ça passe par la formation, alors sur le service client, mais aussi sur des métiers de bouche. Bizarrement, les métiers de bouche, en fait, sont pénuriques, c'est-à-dire que certaines enseignes ont beaucoup de mal à trouver des bouchers, des boulangers. Et à tel point qu'en fait, ils ont créé leur propre centre d'apprentis pour pouvoir avoir un vivier, en fait, de ressources pour assurer ces services-là. Donc c'est extrêmement important. Dernier point, je vais encore plomber le truc, mais c'est vrai que... J'y vais, moi. Non, mais les entreprises de ce secteur-là ont beaucoup de mal à recruter en ce moment, depuis quelques temps. Aussi parce que ces entreprises-là, en fait, font beaucoup de plastique, font beaucoup d'emballages, font beaucoup de choses, et en fait la prise en compte des jeunes générations sur ces problématiques environnementales devient de plus en plus présente, et ils ont moins envie d'aller bosser dans des boîtes, en fait, je ne citerai pas de nom non plus. On va parler de la transformation de vos groupes respectifs. Jean-Philippe, vous avez souhaité que Damassif passe d'une référence à une préférence. Oui, c'est beau, on dirait une chanson de Julien Clerc. Oui, c'est vrai, c'est sympa ça. Être une référence, c'est bien en soi, c'est-à-dire qu'on est reconnu comme un acteur qui fait bien son boulot, qui a une tradition et qui est efficace. C'est déjà satisfaisant en soi. Mais passer la marche de la préférence, c'est-à-dire créer l'affectio que j'évoquais tout à l'heure, faire qu'on est reconnu spontanément, que quelle que soit la difficulté du jour ou le projet du jour, vous veniez spontanément vers votre assureur parce que vous dites que vous êtes en relation de confiance, c'est une marche importante et haute à franchir. Et ça passe par un bon territoire de marque, rappel du projet, quelle est notre raison d'être. On ne sont pas entreprise à mission, mais de choix. Pas entreprise à mission parce qu'on est né dans l'économie sociale et solidaire, et donc on considère que nous n'avons pas cette preuve à apporter. Mais porter ce projet-là dans le territoire, l'affectio sociétaire, la qualité des produits, le modèle de relation, les 66 millions d'appels qui doivent être de contacts qui doivent être traités dans l'année avec la meilleure efficacité, le niveau de réclamation, etc. Tout ça, ça doit faire passer le saut de la préférence. Et quand je dis qu'on est devenu marque préférée des Français et dans le top 10 des marques et seul assureur, eh bien, on a franchi ce cap. Et maintenant, il faut garder ce top. Et j'ajoute, dernier point, que nous sommes sur un modèle de flux spontané. C'est-à-dire qu'on vient vers nous et pas nécessairement à l'inverse. Et ça a une valeur ajoutée tout à fait particulière. Agnès, quels sont les nouveaux comportements, justement, comment les clients sont consommateurs du train et comment... vous êtes en plein chantier, il est presque terminé. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, cette évolution d'ailleurs, il sera terminé quand, ce chantier? Déjà, le chantier, il est toujours continu, mais pour réagir sur le client consommateur, prendre un train, déjà, est un acte d'engagement vis-à-vis de l'environnement. Et les Français disent à 80% qu'il est urgent d'agir
pour l'environnement, mais concrètement, quand on leur demande de laisser la voiture et de prendre le train, mais ils ne sont plus que 1 sur 10 à réellement faire le choix du train. Et ils nous disent à 30% que oui, l'impact environnemental est très important dans leurs critères de choix, mais concrètement, quand ils vont faire le choix, eh bien, l'impact environnemental arrive en 13e position, un peu comme vous le disiez, après le prix, les horaires, la simplicité. Et donc, nous, notre stratégie est de répondre aux attentes des clients sur le prix, sur les horaires, sur la simplicité, pour les faire basculer au train. Et en termes de consommateurs, les clients attendent d'être reconnus, non pas que pour leur achat, mais en tant que citoyens, pour ceux qu'ils sont. Et du coup, on travaille notre marketing voyageur pour valoriser leur engagement et cette fierté au train. Alors, les horaires. Je vais y aller. Je vais être comme Xavier, moi. Je vais être des mauvaises nouvelles. J'ai quelques chiffres. Depuis 1954, les retards des trains ont été multipliés par 10 en Ile-de-France, par 4 pour les trains grandes lignes, par 2 pour les trains régionaux de province. Pour toute l'année 2022, le taux de ponctualité était de 89,2% contre 92,6% en 2021. Donc, un train sur 10 avait au moins 6 minutes de retard à l'arrivée. Moi, c'était 20 minutes la semaine dernière. Mais... C'est comment on fait face à ça ? Parce que c'est un énorme chantier, il y a tellement de trains qui partent dans tous les sens, tellement de gens effectivement qui utilisent le train, et on est de plus en plus content d'utiliser le train quand même, qui est plus facile à vivre pour travailler, pour se détendre effectivement pour une destination. Comment on répond à ces attentes des clients qui veulent être à l'heure ? Alors, certes, ils veulent être à l'heure, mais leur attente est assez différente. Un client qui a un rendez-vous important juste à l'arrivée de son train, le moindre retard, c'est complètement énervant et stressant. Quelqu'un qui a une correspondance courte, pareil, ça va vraiment l'irriter. Par contre, quelqu'un qui est en voyage, bon, ça va l'agacer, mais sans plus. Et notre challenge est de ne pas mettre en otage le client qui ne se sent pas, subir ce retard, mais de le rendre acteur. On a vu que quand un client est en retard, même quelques minutes, lui donner l'information du retard, on n'a que 3 clients sur 10 qui sont satisfaits qu'on lui ait donné l'information. Par contre, quand on lui donne un moyen d'être acteur, d'être utile et d'agir, par exemple en lui proposant un plan B, eh bien, on en a 7 sur 10 qui sont limite contents d'être en retard. Et pour nous, du coup, il est indispensable d'avoir une information la plus réactive, la plus fiable aussi et cohérente. Et on a déployé tout un programme qui s'appelle Information First pour justement informer plus rapidement et de manière personnalisée les clients. Alors, moi, je voudrais juste soutenir Agnès, parce que habitant en province, je suis une grande fan du TGV, qui est mon deuxième bureau. Oui. Et par rapport à tous les trains que j'ai pu connaître en Europe et pour en avoir fréquenté un certain nombre, je trouve que la SNCF est quand même très bien à l'heure, dans des trains extrêmement confortables. La Business Pro est topissime. Et c'est vrai que l'offre de produits et services, non seulement s'est améliorée, mais les informations voyageurs également. C'est vrai. Et souvent, on amène l'info avant le contrôleur, donc on peut même la ramener. Ouais, c'est vrai. Ah, je me fais. Et on y mange bien. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Et on y mange bien. C'est vrai qu'on y mange très bien. Mais moi, on me fait souvent le coup de la panne dans le train. C'est ça le problème. Non, c'est vrai qu'on y mange très bien. L'autre jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai été upgradé dans votre première incroyable. Là. Et à chaque fois qu'on me servait, je disais, mais il faut que je paye quelque chose. Non, pas du tout. C'est magnifique. Bref. Alors, il y a ces problèmes de silos aussi, très rapidement. Les voyageurs en correspondance. C'est pour ça que moi j'ai eu du retard, c'est parce qu'on a attendu des voyageurs qui avaient une correspondance. Justement, comment... C'est solidaire. C'est super solidaire. Ouais, mais je les ai pas rencontrés, rien, j'aurais bien voulu les... Rien. Même pas une carte postale, rien. C'est vrai que la correspondance est un vrai frein à la mobilité ferroviaire. On voit pendant un voyage d'un client, même si tout se passe bien, on perd 10 points de NPS. Et je ne vous parle même pas s'il a raté sa correspondance, on en perd 70. Et donc c'est vrai qu'on a une urgence à travailler sur cette correspondance, à mieux accompagner les clients, à mieux les informer. Et comme vous le disiez, avant, on travaillait beaucoup par produit, puisque le client TER a... Alors on a, le client TER, c'est à la fois l'autorité organisatrice et le client voyageur. Il a des attentes très spécifiques, alors que le client TGV a d'autres attentes. Et on a beaucoup travaillé pour développer une expérience par type de voyage. Et en fait, maintenant, on se dit qu'il y a énormément de choses à faire parce que le client en correspondance, il est beaucoup plus nombreux qu'on croit. Et si on veut réussir à attirer les clients au train, il faut vraiment travailler ensemble sur ces correspondances. Je vous rassure, mon train aussi va être en retard. Je préviens les spectateurs et la régie, il y aura 10 minutes de retard. Voilà, on va parler de nouvelles technologies.
employées pour effectuer vos transformations clients, est-ce qu'elles sont vraiment développées, on en parlait tout à l'heure avec l'étude, pour aider l'humain? Agnès, il y a un dispositif d'écoute IA des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut, vous pouvez nous en parler, et où est la place de l'humain là-dedans? Alors, on a effectivement développé une plateforme de big data qui est hybride, c'est-à-dire qu'elle met, elle mélange des univers totalement différents, à la fois des données externes, donc toute une intelligence artificielle d'analyse de blogs, de tweets, de réseaux sociaux, de nos enquêtes, mais aussi des réclamations. Et en parallèle, on la mélange à toutes nos données de comportement client, de production, de base de données. Et là, l'humain est indispensable. Cette plateforme, elle ne nous sert que parce qu'il y a des équipes pluridisciplinaires de data scientists, de data analysts, mais aussi de chefs d'études, de chargés d'études, qui sont là pour un seul objectif, avoir un maximum de connaissances clients au service d'une expérience personnifiée. Et je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est qu'on a utilisé cette plateforme à la sortie du Covid. On s'est dit quelles sont les attentes des clients avec le Covid, quels sont les nouveaux comportements et qu'est-ce qu'on peut leur proposer, notamment en prenant en compte le télétravail. Et grâce à cette plateforme de Big Data, on a regardé les biais, les modifications de transport et les attentes, et on a pu proposer un nouvel abonnement, c'est l'abonnement Max Actif, j'en profite pour faire la pub, qui a, avec des prix spécifiques, des services spécifiques, a eu vraiment un grand succès. Le deuxième, on utilise aussi pour adapter l'offre. Donc effectivement, il y a des fans de la Pro Première, mais on voulait aussi attirer des clients qui étaient très sensibles au prix. Et on a utilisé la connaissance de cette plateforme Big Data sur les nouveaux comportements, sur la mobilité et aussi les attentes des clients pour adapter l'offre des TGV et répondre aux clients fréquents qui avaient besoin d'un certain nombre et des certains horaires de TGV, tout en insérant des Ouigo, et ça, ça n'aurait jamais marché s'il n'y avait pas d'humain derrière pour analyser tout ça. Marion, nouvelle technologie, être humain. Ouais, alors, je pense que ce qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années sur la data, c'était la personnalisation client, c'était la segmentation à travers l'analyse de la data des comportements de consommateurs de nos clients pour apporter un service beaucoup plus personnalisé, en parallèle avec des callbots, je l'ai évoqué. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est l'IA générative, sur quoi elle va impacter. Et en fait, dans les cas d'usage qu'on est en train d'identifier, on est beaucoup plus sur une IA générative qui va accompagner les collaborateurs vis-à-vis des clients qu'une IA générative qui va directement agir envers les clients. Pourquoi ? Parce que dans le monde bancaire, c'est beaucoup de réglementations. Voilà, quand vous faites un crédit immobilier, si vous êtes marié, pas marié, séparation de biens, pas séparation de biens, pacsé, etc., c'est une multitude de documents qui correspondent à beaucoup de personnalisation sur lesquels, bien évidemment, on a des procédures. Mais mettez un conseiller face au client, il va passer plus de temps à chercher dans les procédures les réponses qu'à se consacrer à son entretien avec son client. L'IA générative, elle va augmenter le collaborateur sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'il va juste décrire c'est quoi la situation de son client et automatiquement, dans une base de données, ça va remonter de l'information. La question qu'on se pose, nous, aujourd'hui, autour de toute cette nouvelle technologie, parce qu'on est une banque citoyenne, c'est en quoi ça a un impact sur le climat, en quoi ça a un impact sur la ruralité, parce que nous travaillons sur ce qu'on appelle l'électronisme, hein, 30% des Français ne sont pas dans le numérique, donc on fait très très attention à conserver la proximité avec le client en physique, avec des plateformes téléphoniques s'il le souhaite, et on met cette technologie pour accompagner le client, pour accompagner le collaborateur, mais en aucun cas pour venir se substituer. Parce que là, c'est vraiment dans notre ADN citoyen, on a cette notion de présence, on a cette notion d'accessibilité, on a cette notion de social. Et donc, on est vraiment à cheval sur les deux, plus la relation de confiance, parce qu'aujourd'hui, un chat GPT, ça fonctionne sur du cloud public. Il est hors de question de mettre nos données sur du cloud public. Donc, pour l'utiliser de toute façon, on est sur des réflexions de cloud privé, etc. Donc, ce sont des sujets vraiment très au cœur à la fois de notre ADN, mais aussi de qu'est-ce que ça va amener réellement en vision client et collaborateur. À la Massif, on est sur la même philosophie, j'imagine. Oui, alors,
Tout à fait. Et puis, premier constat, l'assurance recrute beaucoup en termes de relations clients. Et ceux qui pensaient que la relation client serait moins humaine à l'avenir en sont pour leurs frais. En réalité, on recrute massivement sur ces emplois-là. C'est la première chose. La data est évidemment fondamentale pour un assureur, puisque ça nous permet de calculer, de modéliser l'avenir et de voir ce qu'il en sera des catastrophes naturelles, etc. Ça, c'est le premier enjeu. Et ensuite, l'adaptation de la technologie au service de la relation, ben, ça passe par exemple par le SVI, langage naturel que tu évoquais tout à l'heure, où là, on gagne en efficacité et on permet d'orienter le sociétaire au travers de sa demande vers le bon conseiller. Et on gagne à la fois du temps en interne et en qualité de service. Et puis l'IA, elle va servir à un certain nombre d'emplois ou de services, je pense au juridique, celui que tu évoquais tout à l'heure, qui va permettre d'éminer un certain nombre de situations, mais qui garantira finalement meilleure réponse. Donc ne pensons pas qu'on est en train de tuer la proximité. La proximité physique existe toujours. Et il est intéressant de voir dans le parcours que le sociétaire aime bien faire son avis au travers d'Internet, par exemple, mais aime bien conclure au travers d'une relation directe avec un conseiller, soit en physique, soit en téléphonie. Et ça explique le volume d'appels que l'on connaît les uns et les autres. Xavier, justement, sur ce duo nouvelle technologie humain. Alors, en fait, les nouvelles technologies, enfin, la technologie est utilisée par les distributeurs depuis un certain moment. Ils brassent un nombre de données assez, assez colossal. Et tous se sont mis en fait à essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière cette donnée, et dans un but qui était d'abord de personnaliser la relation client. C'est-à-dire que tout autant qu'on est ici, on n'a pas tout à fait les mêmes modes de consommation, on n'en est pas au même stade de notre vie personnelle, professionnelle. On a des enfants, puis on a des petits-enfants, puis effectivement, tu citais les événements de vie où on va voir la banque. Donc on a des modes de consommation qui évoluent avec le temps. Et c'est la relation en fait avec le client tout au long de sa vie fait qu'on va lui proposer des produits qui sont différents. Donc c'est surtout cette personnalisation des promotions, par exemple. On va pas proposer. Enfin moi, si on me propose une promotion sur les couches, je vais dire bah, attendez, il y a un petit souci là, il y a un petit problème avec votre base de données. Donc ils ont énormément travaillé là-dessus, ce qui a donné naissance en fait à des propositions de valeur pour les clients, et pas mal sur les abonnements. Donc il y a certains produits en fait que vous achetez régulièrement, encore une fois à certains stades de votre vie. Si je reprends l'exemple des couches, c'est très satisfaisant pour un jeune couple qui vient d'avoir un enfant de ne pas avoir à se soucier d'avoir suffisamment de couches pour son bébé. Donc il y a des abonnements et ça marche très très bien. Pardon ? Ou son père. Ou son père, oui. Pardon. En termes de vie. Très rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes, on va essayer de conclure rapidement, mais je voulais juste aborder ce sujet l'environnement sociétal avec les Nutri-Score, avec tous les scores qui existent. Déjà, si on pouvait faire une amorce pour que nos invités puissent répondre. Ouais, en fait, le Nutri-Score, vous connaissez tous le Nutri-Score, vous avez tous Yuka, vous avez tous, etc. Et ça a fondamentalement changé en fait le rapport des enseignes avec leurs clients. Tout simplement parce qu'en fait le client est plus informé, alors de temps en temps peut-être trop informé ou mal informé, mais en tout cas il est plus informé, ce qui fait qu'il a des attentes et des demandes vis-à-vis de son enseigne qui sont fondamentalement différentes, complètement différentes, et vis-à-vis des marques également, donc des fabricants de produits. Énormément de marques ont changé leurs recettes simplement avec le Nutri-Score ou avec Yuka. Qui a dit, j'ai en tête une marque de soupe qui a fait de la pub d'ailleurs après en disant vous nous avez parlé et on a changé nos recettes. Alors après on peut se dire, je vais peut-être les changer avant, mais c'est pas grave, au moins ils ont bougé, ils ont fait des choses. Marion, la Banque Postale est la première banque certifiée marque de garantie AFRC relations clients 100% France. C'est important pour vous ça ? Et pour vos clients surtout ? C'est extrêmement important pour nous et pour nos clients. L'ensemble de notre relation client est basé en France. Et on a lancé la semaine dernière le Nutri-Score de la banque. Le Nutri-Score de la banque, c'est qu'on s'est associé à une super start-up qui en fait le bilan carbone à partir de la façon dont le compte bancaire fonctionne. Et quand vous êtes dans votre application mobile,
En fait, si, voilà, voilà, vous n'êtes pas obligé, mais en tous les cas, vous retrouvez votre score carbone à partir de vos dépenses bancaires, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins d'espèces. Donc, si on n'a qu'un seul compte bancaire, à peu près 95% de ses achats passent via sa banque. Ouais. Et en fait, on vous donne votre bilan carbone. Voilà, vous pouvez vous faire des mini-challenges pour voilà, le diminuer le mois prochain. On vous donne des tips pour vous dire, bah, tiens, vous auriez pu faire autrement, vous auriez pu prendre un vélo, vous auriez pu prendre le train au lieu de prendre la voiture. On a vu que vous étiez passé au péage. Voilà. C'est pas du tout un jugement, c'est pas du tout moralisateur. Les gens qui veulent pas l'activer, ils l'activent pas. Voilà, c'est vraiment... et c'est assez ludique. Et on a un taux en 4 jours de souscription des clients qui est juste exceptionnel, qu'on n'avait pas du tout imaginé, parce qu'on on se rend compte que le côté ludique, le côté envie de savoir, mais c'est comme le Nutri-Score. Je pense qu'il a été un peu imposé, mais finalement, on regarde tous maintenant le Nutri-Score. Et là, c'est un peu pareil, où c'est comme l'appli santé sur un iPhone. Je veux dire, au début, on dit que c'est un gadget, puis au final, on regarde tous les jours en disant j'ai fait combien de pas. Et bien là, c'est un peu pareil, et donc on espère aussi avoir du succès comme le Nutri-Score. Il me hurle dans l'oreille que tout le monde a faim, ça va, le spectacle est là, pas dans l'assiette quand même. Rapidement, Agnès. Alors, en tant que grande entreprise publique, évidemment, les Français attendent énormément qu'on soit exemplaire. On essaie de faire le choix du train aux clients en engageant tous nos partenaires, que ce soit les collaborateurs, évidemment nos clients, mais aussi nos partenaires, pour une mobilité plus durable, plus simple et plus accessible. Et là, on a un plan d'action en 3 axes. Le premier, c'est développer la mobilité durable, à la fois en valorisant les clients engagés et en même temps en faisant de la pédagogie. Le deuxième, c'est évidemment en étant exemplaire, en accélérant notre transformation, déjà en décarbonant nos activités, mais aussi en minimisant notre empreinte carbone, notamment via des démarches, par exemple, d'éco-conception ou d'économie circulaire. Et enfin, évidemment, en engageant nos collaborateurs à travers des programmes de pédagogie ou de sensibilisation. Jean-Philippe, comme vous assurez, vous allez me faire ça en une minute. Ouais, j'entends les estomacs derrière moi. Chut, encore non, une non, minute mais... de concentration, les amis. Non, non, pour nous, c'est la marque de fabrique, c'est l'intérêt général. Donc l'intérêt général, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui? C'est le climat, c'est évidemment l'épargne, et nos sociétaires sont très impliqués, ils choisissent la voie de leur épargne. C'est mettre en avant un certain nombre d'associations. C'est la fondation qui va permettre de créer une dynamique sur les territoires. C'est l'accompagnement local. Ça, tout ce match est à gagner. Donc ça, c'est l'intérêt général. C'est l'intergénérationnel. Ça, c'est un sujet qui nous est posé, qui est absolument vital. C'est un état d'esprit. C'est une manière de vivre entre nous et de faire société. Ça, c'est aussi un enjeu majeur. Et puis, je rejoins la question du pouvoir d'achat central. Ne l'oublions jamais. Aujourd'hui... 80% des revenus des foyers les plus modestes est engagé sur les dépenses contraintes. Il reste très peu. Donc on a un enjeu à traiter ici autour du pouvoir d'achat. Donc vous voyez, toute cette dynamique-là, elle se fait avec les sociétaires, avec les clients. Merci beaucoup. Les tonnerres d'applaudissements pour cette Dream Team. Merci les fois. Merci. Par là, il y a un escalier, attention à la marche, comme dirait Jean-Luc Reichmann. Merci, à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour une surprise avec Mickaël. Allez, je vous demande, juste avant de passer à table, on a une surprise pour vous, un peu de silence. Allez, mesdames et messieurs, pour la 10e édition du gala des directeurs de l'expérience client, alors vous inquiétez pas, on va pas vous demander le silence, hein. C'est tranquille, vous inquiétez pas. On vous réserve une petite surprise, juste avant de dîner, on va vous faire passer bien évidemment les entrées. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, sur vos applaudissements, monsieur Henri Lecomte, qui sera là pour le 10e gala directeur d'expérience client. Henri, si il est où est-on ? Merci. Saga africain là ou quoi ? Tu peux parler déjà dans le micro, Henri, mais bienvenue. Je sais, non, mais tu parles, donc je te laisse parler. Ouais. Bonsoir tout le monde, ça va, ça se passe bien ? Vous avez pas l'air d'être content, hein ? Ça va mieux ? Bon, ça va. Moi, je suis content en tout cas d'être là. Ah, ils vont se réveiller dans quelques instants. Bon, Henri, Roland-Garros est terminé. Et c'était un bon Roland-Garros, non ? Bon, les Français bon, sont pas là. Hein, on va pas parler des Français, d'accord. Ok. Mais c'est un beau Roland-Garros, ouais. Quand même. On a eu quand même un beau vainqueur. Puis après, on a Wimbledon. Il va peut-être faire une sensation, créer quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir gagner les 4 grands chelems. Vous imaginez ça ? Ça serait fantastique, non ?
Enfin, les Français n'ont pas performé. C'est un peu et c'est puis en termes de relations clients. Disons qu'ils n'ont pas fait le même tournoi. Ouais. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Et la relation client dans le tennis en France, c'est comment la Fédération française de tennis ? La communication, tu veux dire ? Oui. Oui, c'est bien. Je pense qu'ils peuvent prendre quelques leçons en communication. Tu peux nous en dire deux mots, là ? Si je t'en dis deux mots, on va faire toute la soirée. Donc, c'est quand même. Mais la fédération, c'est quand même la chance. On a une fédération très puissante, avec quelque chose qui font quand même du très très beau travail. On a quand même Roland Garros, qui est un bel écrin. Tu es d'accord ? Oui, mais Alex. ils font pas un très beau travail pour les jeunes. Hein. Non, mais le problème, quand on s'occupe toujours quelque chose de si important que Roland Garros, on délaisse un petit peu la base. Donc la base, c'est les clubs. J'en suis bien conscient, mais il faut aussi s'occuper de nos jeunes pour pouvoir trouver cette petite pépite. Comme on a pu avoir, parce qu'on a quand même fêté les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Ouais. Bon, enfin, ouais. En tout cas, Henri. Oui. On aurait pu fêter la mienne, mais j'ai perdu en finale. Putain, je suis nul. Mais c'est Henri, vrai. Henri, on va t'a gagner la Coupe Davis, quand même. Si, Henri, la Coupe des Boulons, c'est vrai. Henri, oui. Ceci étant, 2023, c'est pas l'année du tennis du tout. Mais si, il y a du tennis, non. Arrête. Mais attends, 23. Non, 2023, c'est quoi l'année de 2023 ? Qu'est-ce qui va se passer en sport en 2023 ? Vous savez, mesdames et messieurs, il se passe quoi en 2023 en France ? Il y a le rugby, la Coupe du Monde de rugby. Vous êtes chaud pour le rugby ? On vous entend pas, réveillez-vous un peu à Paris. Est-ce que vous êtes chaud pour le rugby ? Merci. Bon, alors là, voilà la surprise, la deuxième surprise, non. Henri. La deuxième surprise, non. Henri. Non. Oui, on non. a un ancien rugbyman, des plus grands rugbyman du monde. Bon, d'accord. C'est pas un Français, Henri. C'est pas un Français. Il mange du kiwi ? Il mange des kiwis. Il nous vient de Nouvelle-Zélande. Bon, écoute, on va le laisser. Trois Coupes du Monde à son actif. 1999, 2003, 2007. 60 sélections dans l'équipe de Nouvelle-Zélande. Considéré comme un des meilleurs demi-mêlés de l'histoire du rugby mondial. Champion d'Europe avec Toulouse, champion de France. Un palmarès inouï. Beaucoup d'entraîneurs disent de Byron Keller qu'il a réinventé le poste de demi-mêlée. Tu parles de moi, là ? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Byron Keller, s'il vous plaît. Bravo ! J'arrive, Henry. T'inquiète pas. Voilà l'année du rugby 2023. C'est pas l'année du tennis, Henri. Non, moi, il me fait... Non. Mais ceci étant, Byron et Henri font partie. Ils ont un point commun tous les deux, quand même. C'est qu'ils sont ambassadeurs du groupe Agora Manager avec quelques autres sportifs, notamment il y a François Pervis en cyclisme sur piste. On verrait dans les semaines suivantes ce qui va se passer. Byron Keller, donc, oui, t'es content d'être avec nous ? Expérience client ? Bon. C'est quoi tes pronostics pour la Coupe du Monde ? Henri va dire c'est la France, évidemment. Allez, les Bleus ! Le pronostic. Premièrement, c'est un plaisir d'être ici parmi vous ce soir. Alors je vais traduire. Welcome. Donc, j'ai bien installé ici en France et heureusement, j'ai l'opportunité de vivre ici. Et en fait, pour la Coupe du Monde de rugby, normalement, nous sommes les préférées équipes, les favoris pour gagner les compétitions. Donc, j'ai joué 3 Coupes du Monde, donc je connais cette pression. Mais à ce moment, c'est vous qui avez la pression parce que... l'équipe de France, ils sont la préférée équipe, elle est le numéro 1 mondial. Et quand tu es l'équipe de la numéro 1 mondial, vous avez beaucoup de pression, et notamment que pas tu jouais chez vous. Donc, Henri, il est pas d'accord. Henri, quand il a eu beaucoup de pression, il a réussi. Hein. Non, tu bois une bière. Attention, tu sais que normalement, celui qui organise à chaque fois la Coupe du Monde gagne. Qu'est-ce qu'on a fait en 98 ? Voilà, merci. Alors, c'est moche pour vous. Hein. En Nouvelle-Zélande, on a gagné 3 Coupes du Monde. D'accord. Donc, maintenant, vous avez la préférée équipe pour gagner la compétition. Donc, ça va être un bon challenge pour nous. Donc, le premier match, ce sera en Nouvelle-Zélande contre l'équipe de France. Et ça va être l'ouverture pour la Coupe du Monde. Mais quand tu regardes les compétitions, peut-être on peut être dans la finale contre vous aussi. Donc, ce sera très intéressant. Bon, tout le monde connaît, merci Byron pour ça, tout le monde connaît dans la salle, tout le monde, même ceux qui ne sont pas experts dans le rugby, bien sûr, le haka. Tout le monde connaît le haka. D'accord. Alors, juste... Toi, c'était haka africain, non ?
Oh, les tu fais ça au tennis. Magnifique. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Ça, Africa. Oui, ça gâche. Bravo. C'est Noah. Bayonne, l'histoire du AK, allez, en quelques secondes, parce que les gens ont faim, tu peux nous dire deux mots sur l'AK, sur son histoire? C'est le AK, c'est connu, c'est une religion. C'est quelque chose de très mystérieux pour tous les autres pays. Donc, venu, c'est une religion. Donc, quand tu dis que tu es né en Nouvelle-Zélande, soit tu es un garçon ou une fille, tu fais le AK. C'est à partir de notre culture. Et notre coach, ils ont une danse. Soit c'est pour accepter un challenge pour l'équipe adversaire, la personne adversaire, soit pour les guerres, aussi pour les guerres. Mais aussi, ce soir, aussi, peut-être bienvenue, welcome. Donc, notre coach, la haka, c'est quelque chose de très spirituel et c'est hyper important. Tirer l'énergie sur le sol, sur notre ancestre, qui crée les opportunités pour notre génération aujourd'hui de retransmettre cette énergie pour la prochaine génération. Akash. Bon. Donc, le haka, on rappelle, ouais, c'est une danse, comme tu as dit, c'est fait pour les naissances, les funérailles, les mariages, la guerre, les combats, etc. C'est 65 hein, danses différentes. Aujourd'hui, et ça vient de la culture maori, bien évidemment, qui est complètement ancrée aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Et on a toute une question. Enfin, je pense que vous seriez hyper pardon. Mais ils vont danser le haka. Ils vont tous se lever d'ailleurs. Merci de vous lever pour danser le haka. Bah, d'accord pour faire un haka. Les filles se lèvent. Allez, allez. Alors attention. Levez-vous. Attention. Levez-vous. Il y a de la vie. Asseyez-vous, les filles. Asseyez-vous, les filles. Allez. C'est allez, que debout, les mecs. Debout là-bas. Debout au fond. Derrière les poteaux, debout aussi. D'accord, ok, hey. Bon. See you. Merci, bye. Henry, merci beaucoup. Bye. Bon, allez, Byron, on y va parce qu'on a faim. C'est allez, une Byron. Énergie, on a essayé de transmettre parmi vous. C'est une énergie très importante, c'est très spirituel. Donc, on retransforme tout notre corps. Te donner une énergie et une positivité dans la vie. Donc, je vais essayer de montrer le haka. C'est parti. Merci. Il y a de la musique merci, ou pas vraiment. Là-dessus allez. Oh là là, attention. Ah oui. Je vous ai compris, mesdames. Bon. Bon, il y a eu la troisième mi-temps quand même après, hein, les gars. Tonnerre d'applaudissements pour Byron Keller. Bravo. Attends, j'ai juste une question, moi. Attends, j'ai juste une question. Je voulais savoir. Vous avez fait le haka au gala des directeurs sécurité avec la police et tout.
Ils l'ont pas embarqué, le gars, là, parce que moi, ça fait non, peur. Non, ils l'ont fait avec lui. Moi, je fais ça, c'est non, moi, je mesdames et messieurs, on va vous laisser dîner maintenant. Henri, merci beaucoup. Tu vas revenir sur scène après pour les trophées avec Byron et toute l'équipe du comité d'organisation, des comités de pilotage de l'Agora, des attentes de l'action client. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un énorme applaudissement à Byron, s'il vous plaît. Bravo. Voilà, ça y est, il est temps de dîner. Vous pouvez vous asseoir, bien évidemment, pour dîner. La digestion n'en sera que meilleure. Vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire un tour de table en vous présentant, si ce n'est pas déjà fait, pour mieux faire connaissance. Vous rencontrerez peut-être votre future ex-femme ou mari. Voilà, c'est une soirée d'échange. À tout de suite. Thank you.